Et salut tout le monde, c'est Cine Noir et aujourd'hui on se retrouve pour nos petites, toutes petites Lasus Neglectus. Donc on s'était quitté la dernière fois avec la colonie qui était redevenue toute petite à cause de la canicule de l'année dernière. Donc on se retrouvait juste avec au printemps deux rennes et une dizaine d'ouvrières je crois et un petit peu de couvain. Donc là on peut voir que j'ai préparé un déménagement, donc j'ai mis à droite les nouveaux modules que j'ai commandés, vous pouvez voir dans une de mes vidéos précédentes. L'aire de chasse c'est celle de mes Lasius Emarginatus que j'ai récupéré, et donc le tube à gauche tout cracra où elles étaient et où on ne voyait absolument plus rien. Et donc on peut voir qu'en seulement 3-4 jours, elles ont déménagé dans le nouveau module, donc voilà, au moins ce nouveau module marche bien. Elles gardent bien l'humidité, en tout cas ça c'est sûr, et comme elles adorent ça, ça tombe bien. Et donc on peut voir déjà la population qui a bien augmenté. Malgré l'ancienne aire de chasse que j'avais, où j'ai eu encore des évasions et tout, donc j'ai encore perdu des ouvrières. Donc là maintenant avec une installation toute neuve et toute propre, ça va le faire. Et donc voilà, on peut voir un beau petit couvain, donc des larves assez grosses, une belle grappe d'œufs, des toutes petites larves juste à côté de la grappe d'œufs. Et puis encore un tas de larves assez grosses qui vont jusqu'à gauche du module. Donc voilà, beau développement maintenant. Je n'aurai plus de pertes du coup d'évasion et tout ça. Donc enfin, elles vont pouvoir vraiment se développer dans de bonnes conditions. Alors pour parler de ce module, voilà, on peut voir que c'est compliqué de filmer parce qu'en fait le module est assez profond. Et du coup, le caméscope a pas mal de mal à faire la mise au point avec le reflet sur le plexiglas et tout ça. Donc je suis obligé de filmer avec le module un peu de biais. Mais voilà, une fois que la mise au point est faite comme ça, finalement ça marche pas mal. Et donc niveau renne, on peut voir qu'on s'était quitté. Oui, j'avais tenté une adoption, oui d'ailleurs, la dernière vidéo. Donc on se retrouvait avec 4 rennes, puisque la cinquième avait été sacrifiée parce qu'elle était blessée. Et là on peut voir qu'il n'en reste plus que trois, donc encore une a été sacrifiée dans celles qui ont été adoptées. Donc au final une a été adoptée, donc au lieu de deux je me retrouve avec trois rennes. Et puis voilà, donc on va se quitter sur ce beau petit couvain. Voilà, bientôt les cocons, peut-être que je les filmerai. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!